Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange 88 et je vous retrouve pour ce 10e épisode sur l'event de la résurrection de Lightning. Ah, Hécaton Chir, carrément quoi. Ah, j'avais même pas regardé qui c'était. Bon, ben ok, on est parti. Allez, on va. On va aller le mettre en. On va aller le mettre en PLS, ce petit Hécaton Chir. Tant qu'à faire. Ouh, ça c'était beau. Allez. Allez, petit Hécaton Chir. Il risque de faire un peu bobo, mais bon. Pourquoi je parle comme ça? N'importe quoi. Ça va faire mal, mais on est parti pour souffrir. Allez. Bon, comme toujours, la protection salve de Gaïa. Ah ouais, carrément quoi, le monsieur direct. Même pas de préliminaire, quoi que ce soit, c'est direct, boum. C'est non-respect quoi. Bon, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça sur ce monsieur. Alors. Cible verrouillée, merci. Bon. Pas le choix, il faut passer par là. Chance de critique réduite, c'est je m'en fous. Un saut furieux. Faire ça et allez, ma dernière barricade, pas le choix. Faire ça, l'omnifrappe. Ah. Ah ouais, mais c'est dégâts de monde. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, là, je suis content, j'ai pas eu à changer de deck. Par rapport à Mister Bahamut,
Donc déjà, je suis content. Bon, c'est pas passé loin, hein, on est d'accord, mais ça va, c'est passé correctement. Un ticket d'évocation, nickel. Eidolons are the avatars of our despair. That's what you said, right? Yes, which is why I must face him and defeat him on my own. We are the only ones who can defeat our own despair. Huh. Are you sure? Is there no allowance for letting people help you? Seems strict. You must have had friends who helped you. Not that I'd know anything about that. That's right. You and me are more than friends. The Eidolon was your friend. It's true. My friends have helped me. Saved me, even. And if the light had not guided me along the way, I would have fallen alone into chaos. So then what is your light? The light. My light? I don't know. It's gone. Maybe that's why I can no longer fight. Fighting without a light is no way to live. It's only a way to die. Ah, voilà, une clé de cristal niveau 5, parce que du coup on a débloqué la suite dans le cristarium. Voilà, cristal niveau 5 débloqué. Alors ça va se passer où? Hop. Alors 500. Ah, c'est faux. Mais pourquoi vous me faites ça? C'est triste. Hein. Ah non, il y a des... Ah non, oula. Oh punaise, j'étais... en mode, mais pourquoi? Non, en fait, c'est juste la suite. Bah, par contre, il va falloir farmer, là. Ça, c'est ça qui est... Ça, par contre, c'est triste. Sauf, oui, non, si... J'ai bon espoir que ça fasse comme d'habitude, c'est-à-dire dès la première nouvelle mission, il y a moyen d'avoir la... d'en avoir une. Bien sûr, il faut qu'il y ait 30 milliards de bombos. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, saleté. Allez, 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 on y croit, on y croit. Une petite clé de cristal. On veut la dernière. Mais bon, à mon avis, il va falloir aller jusqu'au bout pour l'avoir, malheureusement. Vu qu'on est sur des parties dissociées. À mon avis, pas le choix. Un cristal. Ah non. Un cristal niveau 5, ça va. C'est gentil. Ça va permettre de pouvoir avancer. Pistolam Sanctum plus 2. Ouh, ça y est. Un niveau plus 2. Bon, par contre, il reste du temps avant d'avoir la plus 3 déjà encore. Hein. Bon. Ça sera pour plus tard, ça c'est sûr. Encore faut-il progresser. Dans ces arbres de compétences, encore. Allez, on va terminer quand même le secteur 7 et rentrer dans le 8. Et est-ce que ça sera le dernier secteur, le 8?
C'est la question que je me pose. Sans là-bas, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus vraiment d'espace non plus. Techniquement, c'est peut-être la dernière. Hein. La dernière partie. Le dernier secteur. Voilà. Et après, il faudra faire du farming pour finaliser les deux cristariums. Oh joie, au désespoir. Bon, bon, bon. Allez, messieurs. Oh, punaise, ils se mettent à des... Allez, les gentils chiens. Oh, saleté. Il faudrait que je fasse ça en fait. Ouais, même s'il a une résistance, ça lui fait quand même mal. Heureusement, quand même, minimum. Bon, j'étais pas non plus mal en point, hein. Bien sûr, mais. Ah oui, quand même, ça fait plaisir. Alors, ce monsieur. Voilà, moi ça c'est vite expédié. C'est toujours mieux quand il y a des ennemis comme ça. Alors, ensuite, des petits... Ok. Voilà, ils sont là, ils sont mignons, tous les trois ensemble. Et bien voilà, tout s'est bien passé. Là, c'est bon ça. Bon, l'argent, j'en ai pas besoin d'autant, clairement. Hein. J'ai déjà tout le stock qu'il faut, mais. You, at last. I accept this challenge. Wait for me.
So then, you've found your light. Because if you haven't, you're going to your death. You're my light, warrior. I've made it this far, entirely thanks to you. No, the light is inside you. It has to be. And yet I cannot remember it ever being there. I appreciate your concern, but I must fight Odin. I must. Fine. If you want to die that much, I won't stop you. D'accord, ça envoie Lightning à la mort, quoi, limite. Tout va bien. Voilà, et on voit la fin qui arrive, qui se profile. Lentement, mais sûrement. Bon, pas encore tout à fait, mais... ça se rapproche. Allez, on va avancer. On va commencer par faire le petit pont d'expédition. Ah, du coup là, ouais, c'est pas une zone où il y a des alertes. Ouais, j'ai appris le problème qu'il y a trop d'ennemis pour faire du... pour être vraiment optimal, il faut faire d'autres... il faut avoir des compétences d'AOE. C'est pas possible autrement sinon. Passer pas loin quand même. Ah, Marilith! Tiens, tiens, notre meilleure amie encore une fois. Bon, c'est pas vrai. Elle est moins contraignante que le Kraken. Bon, on va dire qu'elle est inquiétante de sa manière. Marilys, ça... elle a 3 étoiles max, donc sa carte ne sert à rien. C'est bien, t'as la pompe d'exclusion entrée du secteur 8 et t'as d'abord secteur 7 nord. Bon, je pense qu'ils ont dû se planter, à mon avis, ils voulaient mettre. Normalement, ça doit être 8 ici. Mais bon, pas grave. On leur en veut pas. Bon, pourquoi je suis dans des rounds de 4 combats, donc forcément je vais avoir des besoins de remettre mon bienfait ultime. Ouh, ça c'est beau.
va commencer par ceux qui ont des faiblesses. C'est toujours plus rapide de commencer comme ça. Et toi, voilà. Bien. Allez, un petit groupe. Bon. Bon, pour l'instant, je suis pas sur les combats les plus compliqués, mais ça va revenir là bientôt. PC, bon, voilà. Ça c'est très bien, 650 PC. Un élixir. Guest ombre repéré. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Voilà, on sait jamais, mais on consomme un peu pour potentiellement récupérer un petit peu de d'orbe alimentaire. D'accord, mes ennemis là sont des ghasts élémentaires. Pardon, j'avais pas besoin de changer de cible. Là, c'est limite un petit peu la détente avant le retour de la galère. Et c'est toujours, ouais, c'est sympathique quand même. Oh, le guest ombre. La magie, c'est 150 PC. Toujours bien les PC, toujours. Donc, il nous en faut plein, plein, plein. 50 000 giles. Merci. Ah, ils sont forts ceux-là. Bon, bah c'est bien. Bon, petit Gaston, bon, ça on les gère. Oh, bah en plus, ils sont de feu là. Ah, l'autre n'est pas de feu, justement. Voilà, K.O. Youpi! Ils sont tous morts, ou presque. Ah, c'est cool ça. Oh, mais qu'ils sont mignons tous les deux.
Merci, nom de... l'œil du cyclone, plutôt. Oh, ils n'ont pas donné beaucoup, les vilains. Bon, moi, j'ai toujours les PC à tour de bras. Je le rattraperai plus tard. Ah ben voilà. Vu que je voulais. Bon, rien de difficile là. Alors, ces quatre monsieur. Bon, je pourrais utiliser le grand évangile dans le prochain combat. Alors, qui c'est qu'on a de beau? Deux ou trois feux? Ah, deux feux. Pourquoi je cherche à vouloir absolument passer par la barre de choc alors que les dégâts bruts ça suffit largement. Un ticket de compétence, c'est toujours cool. Allez, on va partir par là-bas d'abord. C'est pas possible, ce grand évangile il le poursuit hein. Allez, petite petit lumineux. Et Odin, je... attends-moi, j'arrive. T'inquiète pas, je suis en route. Iris, génial. Rayon ardent. Ouais. Ça peut me servir pour ah, c'est laquelle ma carte déjà de lumière que j'ai eu, qui est un rayon ardent que j'ai eu en 4 étoiles d'ailleurs. Ah, je sais plus le nom, j'ai perdu son nom.
Ah. Alors, émission en défensif, c'est ça? Même pas. Petit pampa. Bon, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que tu t'en fous de cet élément? Ok. Pas de problème. J'applique. Voilà. Avec ses petits. Toujours là avec ses petits, lui. Hein. Ah, bon, d'accord. Tout le monde est mort. Bon. Bon, ça m'arrange, hein. On est d'accord. Ouh, allez, je t'envoie l'abattoir. C'est bien. Ben oui, les détours, toujours plein de détours. Oula, mais c'est quoi ce combat avec tous ces pampas? Bon, ça me va, hein, ça me facilite la tâche, mais bon. Ah bah oui, bah oui, mais que ça change un peu. On peut pas rester cantonné à du pampa. Ils sont mignons aussi. Ils sont tous super sympathiques comme toujours. Bon ben voilà. Merci l'Odyssée aussi au passage. Et du coup merci à toutes les cartes qui me servent. Oh oui tiens, pourquoi toi t'es pas en vente auto? Une queue de phénix. Voilà, je refais mon petit plein de queue de phénix. Alors, où es-tu? Où es-tu? Voilà, toi. Voilà, et toi aussi. Je sais pas ce que vous faites foutez en non vente auto, mais le mur démoniaque. Ah, le fameux mur.
Et bien voilà. Ah là, petit mur démoniaque, pardon. Et ben voilà. Et ben voilà, ça fait plaisir. Un petit mur démoniaque vaincu sans être passé par son auto-destruction. Ah, mais voilà, une nouvelle clé de cristal à récupérer, c'est bien. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente ça comme ça? Je sais pas, je vais voir. Moi, je réfléchirai à la question là, après. Là, on va finir tranquillement cette partie-là. Donc, d'arriver jusqu'à la zone où il nous faut la clé. Bon, je pense que je ferai le truc bien, à savoir avec poursuivre la zone que j'ai attaquée, du Crystarium. C'est quand même un minimum, hein. Ah, j'en ai même pas le temps. Ah oui, il faudra que je consomme forcément. Ouais. Il y a des choses à farmer de partout, c'est. Parce que, est-ce que c'est noté obtenez. Ah oui, c'est marqué obtenez le parchemin. Griffe de la mort. Sacrée petite griffe. Hein. Ah, messieurs, vous êtes sympathiques.
Allez, griffe de la mort. Oh, il y en a deux en plus. Si tu veux, hein, tu te charges, mais bon. Tu n'auras pas le temps de me faire tes dégâts. Allez, la dernière petite mission de cet épisode. Oula. Oui, si tu veux, toi, tu m'attaques, tu fais comme tu veux, ne me dérange pas. Bon, toujours pas d'une effet ultime, hein? C'est fou quand même. C'est bien de se motiver. Encore mieux quand tu te motives à mourir, bien sûr. Et voilà! J'en ai donc fini avec cet épisode-ci. Enfin, pour la progression dans l'event, surtout. Voilà. Et comme promis, on va aller faire ce petit tirage. Pour choper une nouvelle carte de FF13. On va voir si on va tomber sur quelque chose avec un peu plus de chance ou pas. Voilà, comme ça moi ça fera un peu plus court aussi, c'est pas plus mal. Ah punaise, 4 cartes 5 étoiles mais que j'ai déjà. Ah punaise, mais non mais... Ah le gâchis quoi. Cassandre. Attaque de terre à cible unique, défense contre les chocs, ok. Ben, je crois que je l'ai déjà en 4 étoiles en plus, celle-là aussi. Il faut que je vérifie. Triton. Ouais, bon. Un peu ça. Et... Gilles Nawat. Bon, ben génial, encore une 4 étoiles plus. Bon, bah, toujours ça de prix. Voilà, 4 Célestries. Ah,
Une vente automatique, ça c'est bien. Et le reste, ben, il faudrait que je m'attarde un peu plus dessus. Ouais, j'allais jeter là, ça là-bas, et histoire de savoir un peu ce que je vais faire. Parce que du coup, ça ferait 4000, en gros, pour aller jusqu'à la fin. Alors que si je repars sur une chaîne classique, ça ferait 400. 2000. Ouais, c'est peut-être ce que je ferai d'ailleurs. Ouais, à voir. Bon, c'est là-dessus que je vous laisse pour cet épisode. Donc je vous retrouve ben, demain pour la suite, comme toujours. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.